Bonjour à tous, c'est Moon Angel et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 de notre Let's Play sur Final Fantasy VI. Et on va commencer par déguerpir de là parce que j'aime pas cette musique. Enfin, c'est pas que j'aime pas cette musique, c'est que je préfère celle-là. Voilà, on est un peu mieux comme ça. Alors, dans le dernier épisode, on avait fait plein de trucs. On avait retrouvé Sian, Terra et Go. Je pense que c'est tout. Je sais plus. Ok, je sais plus. Je pense qu'on avait fait ça. Alors, entre-temps, je me suis un tout petit peu entraînée. J'ai appris des nouvelles techniques à Go. J'ai même fait apprendre, en fait. Je vais me poser. Yeah. J'ai même fait apprendre une technique d'un monstre assez rare. Enfin, assez rare. Faut le trouver. Il est genre dans un tout petit endroit. Mais bon, il est apparu dans le Go, donc du coup, non, dans le Go, dans le Velt. Ok, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est? J'ai dû le zapper, ok. Donc il est apparu dans le Velt, du coup voilà, c'est l'intangible. En gros, c'est une espèce de gros monstre invisible et super fort. Mais bon, j'ai réussi à le battre, du coup, il est... Enfin, j'ai ses pouvoirs, quoi. Et quand Go l'utilise, puisque j'ai regardé ça tout de suite, en gros, il devient invincible. Il fait des attaques de la mort qui tuent. Mais à un moment, comme ça, aléatoirement, il s'auto-détruit pour régénérer les points de vie de l'équipe et on peut plus le réanimer du tout. Donc ça fait comme un kamikaze même pour soigner les alliés au lieu de détruire les ennemis. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bien faire ? Estomac d'Azonita. Je vois pas où c'est. Voilà. La petite île en triangle à l'est de la carte. On va dire que c'est ça. Je suis une nouvelle fois la soluce. Alors voyons voir. Ah ouais, d'accord. Voyons voir. Ok, je dois trouver un monstre qui va nous avaler. Mange zone. Ah bah voilà, c'est ça. Et en gros, je dois le laisser nous avaler pour atterrir dans des galeries souterraines. Donc on va le laisser faire ça. C'est bizarre ça. Je me souvenais pas de ça. Enfin si, peut-être, mais vaguement. Bon allez, on avait compris. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, on devrait atterrir dans une grotte. Voilà. Alors. Oh, c'est sympa comme musique. Si j'allais plus en bas. Parce que je présume que si on remonte, je vais retourner à la surface. Oh. Oh, des coffres, mais ils sont de l'autre côté. C'est un peu pas bien, ça. On va voir si on sait pas les choper autre part. On sait où on peut, ou je sais pas. Bon, il y a des ennemis. Alors, toi, je vais essayer mon truc à... Oh, j'ai envie de dire invincible, mais c'est plutôt intangible. Voilà, donc en gros, il devient invisible et invincible, quoi, en fait. Ouais, bon, il ne devra pas se sacrifier. Voilà. Ok. Où dois-je aller? Telle est la question. Ah ouais, aussi. En gros, les hommes en vert, c'est des salauds, quoi. Je peux pas sauter en... Ah si! D'accord. Je viens de comprendre le fonctionnement. On va recommencer. Oh là là. Ah mince, je suis toujours invisible. Invisible. Toi, on vote, je sais pas. Qu'est-ce qui est bon? Je sais pas ce qui est bon pour aller au hiverne. Je sais jamais. Et les autres, ils attaquent. Oh! Raté! Allez, pchit, merci. Reçu éther, merci. Reçu veston rouge, voyons voir ce que ça fait. Ah, il était là. Abri de l'esprit d'un lutteur légendaire. Si je l'équipe à quelqu'un, qu'est-ce que ça fait?
Non, un lutteur. On va peut-être laisser à toi. Ah, c'est joli ça. Allez hop. Je pense que là, il n'y avait pas photo. Bon, du coup, on a libéré le passage. Merci les monstres. Et on va essayer de se frayer un chemin, alors. Voilà. Hop, hop. J'ai envie de passer, là. Merci. Reçu armure Genji. Décidément. Ah mince, j'avais pas vu que ça te transformait en ça. Mais enfin... Oh, qu'est-ce que t'avais encore à part ça? Ouais, je pense que t'avais ça. Oh, mais maintenant il est transformé. Oh. Alors, cerise. Voilà. Merci. Je savais pas que... Ou bien c'est l'ennemi qui avait fait ça? Je sais pas. Non. Je sais pas si c'est l'ennemi qui avait fait ça, en tout cas. Bon, grouillons-nous. Oula. Oulala, doucement. Oulala, je m'attaque moi-même. Et stop. Attends, enfouillé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. À force de vouloir aller vite. Oh, allez. Ch'tac. Voilà. Maintenant, on va essayer de le refaire plus sereinement. Ne pas se faire prendre, allez hop. Voilà. Oula. Brrr, magique. Waouh. À tous les coups, c'est bracelet. À tous les coups, c'est... Ouais. C'est une relique. Plutôt un accessoire. Pourquoi ils appellent ça une relique d'abord? Brrr, magique. Ouais. À tous les coups, c'était quand même un objet. Bon. Ah, voilà. Ah, waouh. Une brosse. Ok. C'est peut-être pour Ren, ça, on dirait, plutôt que c'est un pinceau. Ok, on verra bien. Oh. On dirait un peu le jeu de... Je sais plus comment ça s'appelle, les trucs où on doit traverser comme ça. Des vœux jetritrices ou des trucs comme ça. Leur moustache, ça il me semble que c'était bien. Genre je croquais en contrôle, donc... Donc en fait, ça c'est pour Realm. Et donc au lieu de... Wouhou. Au lieu de peindre les ennemis, on va pouvoir carrément les contrôler. Et ça va être bien surtout pour... comment il s'appelle encore son grand-père? Non! Ah si! Ouais. Strago, voilà. Strago, ça permettra surtout à Strago d'apprendre des magies bleues qui peut être... Enfin, des trucs comme... Qui sont positifs pour le lanceur. Donc, je m'exprime mal. En bref, des trucs que les ennemis n'utiliseront jamais sur nous. Donc, on peut contrôler les ennemis pour qu'ils l'utilisent sur nous. Voilà. Ouh, je vais pas sauvegarder là. On sait jamais. On va sauvegarder là. Hop là. On avance, hein. Écoutez. Oula, ça tremble partout. Ça me fait peur. Cap Zephyr. Wouh! Ok. Je pense que si on fait pas gaffe, on va se faire aplatir. Oui, Terra, je peux pas... Ah, je peux pas... Je peux pas ouvrir le menu, c'est contraignant, ça. Bagheero. Oh, encore? C'est bien, ça. Alors, le truc, il est là... Là. Prions. Oh là là, mais... J'aurais pas le temps d'arriver jusque là-bas. Étoile pointe. Boum. Ok, en fait, j'aurais dû me casser. Où est-ce que ça va nous amener? Genre game over. Ok, n'importe quoi. Allez. Est-ce que au moins les coffres sont ouverts? Ils sont même pas ouverts, oh là là. Alors, on va recommencer. Hop. Voilà. Oula, je l'ai tapé un peu vite, là. Ok, allez, hop. Bagheero.
Boum! Oh, ça fait peur ces trucs. Du coup, on va vite prendre le coffre et on va se casser d'ici. Voilà. Bon, c'est encore long, hein, comme ça. Allez. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci? Ah ouais, aussi. C'est un peu spécial. Si je fais ça... Ok, ça fait des trucs bizarres. Je ne sais pas du tout où je vais. Ah! Reçu bouclier foudre. Ah, je pense que je dois aller là-bas. Ouais. Je dois aller là-bas. Oui, il y a une porte aussi, hein. Si je l'avais vu auparavant, ça aurait été un peu mieux. Ah! Bonjour, étrange personnage. Drapé d'habits étranges, est-ce un homme, est-ce une femme? Où devrions-nous demander? Pourquoi où devrions-nous demander? Alors, bah lui, il faisait pas partie des personnages qu'on avait croisés avant. Oui, bah, tu t'appelles Gogo, voilà. Comment on fait pour confirmer le nom? Comment on fait pour confirmer le nom? C'est où encore pour confirmer le nom? C'est quoi ça? Allez! C'était pas là, c'était pas là, c'était pas là. Ok, c'était là. Créature, je suis Gogo, maître du simulacre. Mes talents de mime vont vous étonner. Oui, j'ai été dans l'inactivité pendant trop longtemps. Si je vous en juge digne, je mimerai vos actions en combat. Mais d'abord, vous devez me dire ce que vous faites ici. Ben, quel récit étonnant. Oh, on n'a rien dit du tout. Ouais. Mais je sens que vous essayez d'aider à remettre les choses bien. Ça devrait être amusant. Je me meurs toujours de cette traduction, là. Quand partons-nous? Ben, maintenant, si tu le veux bien. Est-ce qu'il est dans l'équipe? Non, ok, c'est bon. Et si on sortait de là avec un... une pierre issue, voilà. Ce serait plus facile. Voilà. Alors, bon, on va un peu voir qu'est-ce que c'est que ce gogol, hein. Parce que c'est quand même un nouveau personnage, voyons voir. Bon, je présume que si on parle à Céleste, je pourrais changer d'équipe. Je suis contente d'être arrivée si loin, je sens que j'ai beaucoup de raisons de vivre. Oh. On va peut-être reprendre Céleste avec nous, tiens. Allez, ça fait longtemps qu'on t'a plus vu. Gogo, on va prendre aussi, et toi avec ton attaque de la mort qui tue aussi. Alors, voyons voir ce... Ok. Bonne action. Dans le menu statut, d'accord. Statut. Ah, d'accord. Donc, en fait, Gogo, on peut lui mettre tout ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est bien. Alors, mime. Bah, attaque, peut-être. Je préfère quand même avoir toujours une commande attaque. Bon. Peut-être pas magie objet, pas voler. Pourquoi il y a une espèce de... Bon, tant pis. Blitz, pourquoi pas. Savoir, j'aime bien. Savoir, danse peut-être. Savoir, apparemment, c'est bien. Enfin, apparemment. Je sais que les magies bleues sont assez bien. Donc, on va voir ça. Puis j'hésite entre Blitz... Outils encore, je sais pas. Non, Blitz, c'est danse. Bon, allez, on va mettre Blitz. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, après, ce qui... Oh là là. J'ai pas de mocassins, on dirait que je me promène avec des boulets aux pieds, dis donc. Bon, allez. Ceux qui ne sont pas dans l'équipe, merci bien. Alors, du coup, équipé. Toi, c'est bon. Toi, optimum. Non, mais veston rouge, c'est ça qui te... Ah non, bon. Ok, c'était l'ennemi alors qui nous rendait comme ça. Qui n'a pas de relique? Toi. Alors, toi, ce que tu pourrais faire... Non. C'est toi qui dois avoir l'FXP, je sais pas. C'est... Il a l'air bien pour porter un FXP. Donc, Et tu peux aussi porter... les mocassins, voilà. Toi...
Toi, tu portes deux bagues de héros, allez. Rien à foutre. Voilà. Et je pense que c'est bon comme ça. Alors, du coup, on va sortir de là. On a 15 minutes, ça va. Alors, je vais juste... zoop. Un peu de... Voilà, voilà, c'est bon. Zoop, voilà. Vous avez pas la souris en plein écran. Maintenant, on va s'occuper d'un autre personnage. Un personnage que l'on connaissait déjà. Maintenant. Personnage qu'on connaissait déjà. Alors, pour cela, il faut que je retrouve une arche dans tout ce... Dans tout ce fourbi. Est-ce que c'est là? Ok. Je peux pas me laisser tranquille, non? Allez, pchit, pchit. Oh oui. Alors... Ok, je vais prendre un passage secret. Pourquoi il y a de nouveau cette musique sombre comme ça, c'est moche. C'est marrant, il me semble pas avoir... Enfin, être retourné à l'arche, pourquoi je fais ça? Enfin, être retourné à l'arche pour prendre des équipements ou quoi. Donc, Alors, voyons voir. Shit. Je pense que Mog, il doit être avec la bande de Mog qu'on avait une fois vue. Donc, enfin, Mog. Oui, maintenant j'ai dit qui on cherchait, super. Enfin, bon, je présume que Predator et Mog, il peut y avoir pas 36 000 personnages. Hein. Allez, hop. Par contre, je ne sais plus où est-ce qu'il se cache, il me semble que c'était là. Non, oui, non. Oui, sûrement, je sais pas. Je sais pas, je suis en train de fouiller de fond en comble. Ah bah c'était là. Bah qu'est-ce que tu fais tout seul? Coupo Coupo, vous êtes vivant. Je pensais que vous étiez à nourrir les vers, Coupo. Coupo Coupo, allons-y. Direct. Dites, nous pourrions utiliser des muscles de Yeti et en plus, il serait sans ressources sans moi ici. Il est quelque part dans les mines. Une fois que nous l'aurons trouvé, je lui redonnerai de se joindre à nous. Ok, donc apparemment, il connaît un ami Yeti qui pourrait se joindre à nous aussi. Voilà, charme à Moogle. Voyons voir. Il me semble que charme à Moogle... Voilà, pas de rencontre aléatoire, ça c'est super. Mais bon, pour l'instant, je vais encore les garder, on sait jamais. Ok, la musique sombre qui reprend d'un coup. Par contre, Mog n'est pas avec nous. On va peut-être le prendre dans l'équipe. Oui, je sais, je change mon équipe toutes les 30 secondes. C'est pas non plus l'idéal. Wouhou. Retourne dans le vaisseau. Hein. Merci. Allez. Oh, Mog. Coupopopo. Super. Non, mais allez. Coupopo, oui, Coupopo. Moi aussi, Coupopo. Toi. Mog. Et puis toi. Voilà. On va quand même redéséquiper les personnages qui sont pas là. Voilà. Une nouvelle fois. Et équiper toi de tout ce que tu veux. Et en relique, je ne sais pas. Je ne sais pas. Charme Moogle. Ouais, allez hop. Tant qu'à faire. Je m'entraînerai hors combat. Oh là, je m'entraînerai hors combat. Ce n'est pas. N'est pas ça qui vient nous inquiéter. Allez. Je pense que c'est bon comme ça. Donc on peut se rendre. Chez le Yeti. Allez. Atterris. Atterrissons, atterrissez. D'accord, j'ai pas tout suivi, mais bon. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? À vrai dire, c'est pas grave, de toute façon, il ne reste plus rien. Il y a seulement un Mog qui est encore dans le coin. Et seul un chercheur de trésors pourrait croqueter ce verrou. Oula, ce verrou. Ok. Je le sens pas du tout celui-là, mais bon.
Donc apparemment, il reste plus personne dans le village. C'est plutôt sinistre. Alors, je me demande si... Non, il me semble pas que c'est par là. Si, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, on n'a plus de rencontre aléatoire, donc ça ira beaucoup plus vite. Bon, après, si vous voulez que j'y remette, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du tout. Mais bon, je me dis que c'est quand même un peu plus... Un peu mieux comme ça, parce qu'on n'est pas embêté et... Voilà, on n'est pas embêté. Voilà. J'y trouve plus mes mots. En même temps, ça fait le troisième épisode que je tourne aujourd'hui. Alors, voyons voir. Apparemment, ici, il y aurait... Ah, voilà. Un petit boss. Est-ce qu'on se le fait, lui ? Je le fais. Rapidement, comme ça. Alors, je présume que vous avez reconnu, c'est... Ça fait partie de la lignée des dragons, comme ça. J'ai quoi en savoir, un sage ? Je pense que contre lui, ça va pas aller. Bon, on va faire vite, écoute. Voilà, éclate-cul. Heureusement qu'il connaît directement éclate-cul, celui-là. Ah, épilepsie ! Épilepsie power ! Toi, fais celui de forêt. Voilà. Zéro absolu. Oula, il me fait peur. Par contre... Ah merci, tu fonctionnes. C'est un dragon de glace, donc je pense que le feu, ça doit lui faire super mal. Enfin, simple théorie. Hein. Oh oui, ça lui fait mal. Ah, Terra est morte! Terra est morte, non! Peut-être que je me suis pas assez entraînée. Épilepsie! Enfin, je sais pas, apparemment... Enfin, j'ai regardé, ça fait pas la même chose... Ça donne pas le même rendu sur YouTube. Donc je ne sais pas. En tout cas, là, ça fait vraiment Epilepsy Power. Hein. Ça fait vraiment... Ah bah voilà. Nickel. Nickel. Je pense que Mug va prendre une nouvelle danse en plus. Semble. Ah non, j'ai déjà été récupéré. Resti dragon, bon, merci. Bon, du coup, il reste 6 dragons. Ceux-là, on les fera dans un épisode bonus, je pense. À moins qu'on les rencontre comme ça, comme on vient de le faire. Ça prend, on se prend même pas 5 minutes de débattre, donc bon. Bon, on peut bien s'en faire quelques-uns avant de les faire en bonus. Est-ce que c'est ici? Oula. J'espère que Terra va pas de nouveau réagir avec l'espère. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux juste savoir ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais quand même regarder parce que... Ah d'accord. D'accord, en gros c'est tout à fait normal. Oula. Par contre toi tu es un peu condodo au champ désert peut-être. Parce qu'apparemment ce boss n'est sensible qu'au feu. Donc autant en profiter. Toi t'as pas de feu, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hâte sur Terra, voilà. Toi. Ouh 9999 explosion. Ouais non, je n'ose pas. Je n'ose pas. Qu'est-ce que tu fais des bulles toi? Terra, transforme-toi, s'il te plaît. Voilà, et puis tu lui fais du feu. Enfin, en fait, ça servait à rien de se transformer. Je suis bête. Mug, pourquoi tu n'as pas dansé? Tu es méchant. Par contre, ça m'énerve que j'ai pas du feu avec les autres. Enfin bon. Ah, j'ai pas de chimère en plus avec elle. Il craint vraiment que le feu ou bien je peux essayer de... Ok. Peut-être que si je fais feu et que je mime avec Gogo, ça ira un peu mieux. Voyons voir. Ouais. Non. Fourmi.
qu'est-ce que tu fais? Et tac, toutes les... Ah oui, mais non, je suis bête. Ah non, je suis bête, mais Terra, elle agit pas toute seule. Patate. Magie. Feu 2. Et alors toi, bah, tu mimes. Voilà. C'est un peu mieux comme ça, je pense. Ah bah, c'est bon. Ok, comment faire traîner un combat pour rien? Hey, salut. 7 points magie, quand même. C'est là, ça a pris Volt 2. Sympa. Vous, humains, m'avez libéré de cette prison de glace. Vous possédez des magicites. Qui êtes-vous? Je ressens la guerre et la destruction. Cette stupide guerre a-t-elle pu avoir duré 1000 ans? Je peux dire que vous voulez mettre un terme à la folie. Voyons si vous en valez la peine. Ok, donc... déjà, on a battu un dragon. Maintenant, on a un nouvel espère, en plus. Ah. Bon, j'ai même pas le temps de la regarder. Si. Si. Sur qui je vais la mettre? Sur Céleste? Céleste. Espère. Il s'appelle Tritoche. Pouvoir magique plus 2. Ça pourrait être intéressant, ça. Ah, en plus, il peut apprendre feu 3. Allez, hop. ça nous aurait mieux servi avant, je pense. Il y a une ouverture dans la falaise. Sautez dedans. Ouais. Ok, ça dit que c'est rempli de monstres assez forts, mais bon, comme j'ai enlevé les combats. Ok. Je sens que ça va être énervant, ça. Reçu gantelet, merci. J'en avais pas forcément besoin, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a là? On dirait qu'il y a un faux mur. C'est bizarre. Bon, bref. Je sens que je vais me perdre en moins de 2 secondes. Oh, c'était vicieux, ça. C'était salement vicieux. Genre, tirez-moi. Eh ben non. Ici, ça fait la même chose. Ouais, mais ça va atterrir à un autre endroit. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette sculpture? On dirait de l'os. Il y a quelque chose dans cet œil. De la magicite? Carrément. Attirer la magicite de l'œil. Ouais, sait-on jamais. Tirato. Ouais, ok, je sens qu'on a réveillé un truc pas bon, là. Ah bah, c'est lui, l'ami Yeti. Ok. Pourquoi tu nous attaques? J'ai rien fait. J'ai juste volé une magicite, j'ai rien fait. Hey, suis de forêt, toi. La petite souris. N'importe quoi. Renversé. Eh, mais t'attaques ton ami, mais t'es méchant. Mais est-ce que c'est vraiment son ami? Chou, attaque de feuilles mortes. Ok, et la boss tout ridicule, là. Ok, on a obtenu 10 gills au combat. Bonjour. Je suis ton chef, Coupeau. Tu vas te joindre à nous, Coupeau. Direct comme ça, clash. D'accord. Je suis con, je t'obéis. Amateur de gravure sur os aussi fort qu'un géant, un ami yéti plein de muscles. Mm-hmm. Alors, nous faisons donc la connaissance de Umaru. Bon, on va laisser comme ça. Ouh, moi Umaru, oui chef, moi venir avec vous. Umaru, on ne se laisse plus aller maintenant. Ouh, moi attendre vous dans un gros ballon. Ok, alors je présume que lui n'aura pas... Ah, on est tombé. N'aura pas de technique spéciale, mais... Que ce soit un gros cogneur ou un truc comme ça. Alors, est-ce que je suis pas en train de retourner en arrière? Voyons voir. Enfin bon, l'avantage c'est qu'on n'a plus de combat, donc on peut se perdre autant qu'on veut. Voyons voir.
Ouais, ok, c'est par là. Par contre, la musique, elle a toujours pas changé. C'est fou parce que ça donne vraiment une ambiance sinistre et froide à la ville. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que d'habitude, les villes de départ, elles sont toujours accueillantes et tout. Et là, on n'a pas envie d'y rester en fait. Alors on se casse d'ici, on a encore 10 minutes. On va... Ch'touk ! Je vais voir pour... Oula ! Oulala ! Je vais voir déjà pour pas mettre la souris en plein dans l'écran. Est-ce qu'on a le temps ? Au pire, je commence. Et puis si on n'a plus le temps, bah, je sauvegarderai et j'arrêterai. On va faire comme ça. Ou bien je peux aller à la recherche de l'espèce de truc, là, comment il s'appelle encore ? Mortalis ? Je ne sais pas. J'ai peur qu'après ça nous prenne trop de temps en fait, donc on va plutôt privilégier les personnages plutôt que les quêtes secondaires. J'y dors, je suis réveillée. Blague pourrie. Bon. Mais ça c'est l'opéra, non ? Je vais voir, il me semble que c'est l'opéra. Ouais. Ouais, j'avais raison. Donc Jidor doit être un peu plus sonore. Logiquement. D'après mes souvenirs. On va dire que c'est ça. Voilà. Ah. La musique a un tout petit peu changé, là. C'est qui... J'ai eu beaucoup de pigeons voyageurs voler du côté de Maranda depuis peu. Qui peut bien envoyer toutes ces lettres ? Sian. La maison tout honneur, d'accord. Je suis la soluce pour pas perdre trop de temps non plus parce que si on doit retrouver tous les personnages et fouiller tout le monde entier, c'est un peu mal barre. Je sais pas d'où je connais la musique, mais restez loin d'ici. Ouh, il y a un livre qui est paru. C'est le journal intime d'Hauser. Le livre. Ouais, même si c'est pas bien. Je viens de dépenser une fortune. C'est à présent mon plus grand tableau, alors je ne pourrai pas le mettre avec les autres. Je déciderai plus tard où l'exposer. Et la page suivante, ouais. Un artiste est venu de Zozo aujourd'hui. Il voulait voir son travail. Quelle perte de temps. Ouais. J'ai acheté une nouvelle lampe de cage d'escalier au magasin d'objets. Cher, mais une pression sur l'interrupteur et tout est clérigué. J'ai invité chez moi un artiste de Collingen. À peu près aussi talentueux qu'une savate. Ok. Quelque chose est en train de m'arriver. Ça a commencé quand j'ai fait peindre ce tableau. Et j'ai commencé à entendre des bruits étranges venant d'en bas. Ok. Donc on doit allumer sur la lumière, voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Voyons voir. Un grand tableau. Bon, j'ai lu que c'était celui de Gastel, donc le portrait de l'empereur Gastel. Ouais. Ah, reçu la lettre de l'empereur. La lettre dit « Le trésor est caché là où les montagnes forment une étoile. » Bien sûr. Oh, j'ai pas envie de faire des énigmes maintenant. Allez, hop. Portrait d'une charmante jeune femme. Oula ! Oula là là là, le tableau il nous attaque, c'est pas bon ça. J'ai oublié de me soigner. C'est pas bien. Alors, ce que tu fais... Oh là 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 là. Oh, mes mugs ! Sérieusement. Allez ! Youhou ! Je me suis peut-être un peu ratée. Est-ce que je me suis ratée ? Je ne sais pas. Pourquoi ils me soignent ? Ça me donne pas envie de les attaquer en fait. Parce que je me dis, c'est... Ouais, voilà, j'ai... Tu fais une mauvaise combinaison de bits. Voilà. Bon. Ah, bah ok. Oui, bien sûr. Oh là là là. Je n'ai pas du tout confiance. Oula! Oula là là là! J'ai pas du tout confiance. Ah, secours! Au secours, on dirait qu'il y a plein de fantômes partout ici.
Non, en fait, ça va. C'est des amis qu'on connaît, donc ça va encore, ça. Allez, rinçage. Rien à faire. Voilà. Voilà, voilà. Du calme. Oula. Non, je ne vous en veux pas, madame. Je ne vous en veux pas. Reçu Abimog. Ok, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert surtout sûrement à Mog, je sais pas. Non. Oh! Voyons voir. Où est-ce que t'es, Abimog, 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 Abimog? Abimog, 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 Abimog. Où est-ce que tu es? Je ne la trouve pas! Ici, il est ici. Sois un Moogle, Coupeau. Ok. Bah, je suis un Moogle, Coupeau. Ça veut dire quoi, 107, là, sur la droite? J'ai jamais vu. J'ai peut-être 107 objets dans mon inventaire. Je sais pas. Bah, je suis un Mog. Non, mais... Ok. Donc, Mog, c'est pas un Mog. Oh, grande révélation. Enfin, bon, je verrai après pourquoi ça fonctionne pas. Je vais peut-être partir d'ici, en fait. Ah non, il me recombat pas. Ok. Ouais, je vais peut-être partir d'ici et sauvegarder parce que sinon on va arriver à plus de 40 minutes et ça... C'est un peu problématique, on va dire. Enfin, quoi que... Ça m'ennuie de vous laisser comme ça, en fait. ça laisse en suspense comme ça, on dirait qu'il y a un truc infini. Ouais, ça m'ennuie un peu de vous laisser comme ça, mais bon. Mais bon, je savais que je pouvais pas le finir. Du coup, pour vous consoler, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller à la recherche de Mortalis. Allez. Je sais pas si on a le temps, mais bon. Allez, allez. Est-ce que le fait que j'ai l'amulette Smog empêche le combat? Voyons voir. Shtak, shtak, shtak. Ouais, allez, shtak. Ouais. Voilà. Allez, petit Mortalis, apparaît, je t'attends. Je t'attends, petit Mortalis, où es-tu? Où te caches-tu? Mortalis! Mortalis! Ne fais pas perdre mon temps, s'il te plaît. Je viens expressément te chercher. Tu apparais à la fin de mes épisodes quand j'ai plus le temps, et là... Ah, ouhou! Je te consacre un peu de mon temps, et tu... Tu apparais, oui, tu es très gentil. Oui, tu es très gentil, moi je... Oh là là là, non, 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 non. Moi je suis en train de faire n'importe quoi, du coup. Hop là. Voilà. Allez, vie sur toi. Magie. Magie, soin sur toi. Blitz, allez, hop. J'aurais peut-être dû me préparer avant. Oh là là. Oh là là, je suis débile. Je suis débile, hein, autant le dire. Ah ben, il s'enfuit, c'est bon. Ouf. Ouf, 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 il s'enfuit. Bon, du coup, je vais pouvoir me soigner, hein. Ce que je n'ai pas fait. Comme une andouille. Allez, tente. Ouhou. Et on est reparti, Mortalis. Wouhou, wouhou. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, Mortalis a conservé ses points de vie. C'est comme un fouillard dans Pokémon. Il conserve ses points de vie, donc on peut le battre en plusieurs fois. Allez, wouhou. À chaque fois, je me fais avoir par la vitesse. Mais non, 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 non. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Voilà. Non mais... Ouf, ok. Alors toi tu nous fais un blitz de la mort qui tue. Toi tu attaques. Toi tu attaques. J'ai pas vu. Non, je l'ai pas battu. Il y a une nouvelle fuite. Alors, je tac. Je tac.
Alors normalement, si je me débrouille bien, on ne doit plus le voir qu'une seule fois. Si je me débrouille bien. Hein. Ah ! Et je me débrouille pas bien. Non ! Bon. Au moins, c'était une fois vite fait. Hein. Ah ! Allez. Pourquoi à chaque fois, il me remet comme ça ? Non, mais... voyons voir. Allez, allez, allez. Oh ! Une toupie le début du combat, comme ça. T'es niveau 5, toi. C'est pour ça que tu meurs. Je me disais aussi. Alors, soin 2. Sur toi. Toi, tu attaques. Rien à foutre. Ouh, rien à faire. Je suis vulgaire. Tu danses sans son vent. Voilà, pour ne pas changer. Voilà. Toi, tu lui fais un bel éclat de cul. Ouais, c'était ça qui était bien. Voilà, un bel éclat de cul dans ta face. Wouhouhouhouhouhou! Dis que t'es mort. T'es pas encore mort. Ok. Oh, il nous balance des attaques de wouh! Allez, j'espère qu'il est bientôt mort parce que. Parce que je commence un peu à en avoir marre. Cocatrix! Éclat de cul! J'aurais dû prendre une meilleure équipe pour lui. Oh, mais c'est pas possible. Bon. C'est pas possible. La dernière fois que j'ai essayé, je l'ai eu en deux combats. Et là... Allez, je vais quand même le terminer avec vous parce qu'on peut en aller. Il doit plus avoir beaucoup de points de vie. Allez, allez, apparaît. Apparaît, 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 apparaît. Magie et vie sur toi. Ah, j'ai déjà fait vent avec toi. Ok. Magie, soin 2 sur toi. Blitz. Hein. On va plutôt se préoccuper de l'attaquer en fait. Wouhou! Terra n'a plus son arme ultime. Bizarre. Allez. Ah bah voilà. Ah là là. Du coup, j'ai fait une mini quête secondaire dans les épisodes normaux. Excusez-moi, mais bon, je comptais terminer quand même l'épisode avec un point positif plutôt que le terminer un peu en suspens. Le morceau de magicite est tombé de... Hein? Reçu la magicite. Bahamut! Et maintenant on est tout puissant. En fait, je vais vous montrer. Donc, d'abord soigner, hein, qui crée important de se soigner. Et puis talent, voilà, on va dire toi. Ah, Terato, j'ai pas vu. PV plus 30%. Et lui, il est carrément à PV plus 50% et il nous fait apprendre Nova. Alors, je sais pas ce que c'est Nova, mais ça doit être une attaque de la mort qui tue. Donc ça, je vais peut-être vous le montrer dans le prochain épisode, je sais pas, sûrement, si j'y pense. Parce que c'est... Enfin, les espères, c'est le genre de truc que j'oublie, donc je ne sais pas si j'y pense, mais bon. J'essaierai d'y penser, voilà, je peux rien vous promettre, mais j'essaierai d'y penser. Donc j'espère que cet épisode-là vous aura plu, il aura duré un petit peu longtemps. Mais bon, on aura récupéré trois personnages, on aura... trois personnages dont découvert de nouveau. D'ailleurs, on n'a pas été regarder le Yeti ce qu'il faisait. Ok, tant pis. Tout ça, on verra sûrement plus tard. Hein. Et donc, bah, dans le prochain épisode, on continuera ce qu'on a fait à Gidor. On va explorer les caves comme ça pour une raison X ou Y, je ne sais pas. Donc, bah, enfin, on verra bien ce qu'on y trouvera. Hein. Et donc d'ici là, bah, j'espère que vous vous porterez bien et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.